Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour avec un élastique et un jeu de cartes. Le tour est vraiment très sympa, facile à réaliser, vous allez voir. Je pense vraiment que vous allez kiffer ce tour, en tout cas moi j'adore. Bref, comme d'habitude, je vous laisse avec la démo. Et pour ceux qui voudraient apprendre à le faire, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaires. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un élastique qu'on pourrait donner à l'examen sans souci, ainsi qu'un jeu de cartes de 52 cartes différentes qu'on pourrait emprunter et faire mélanger par le spectateur. Et derrière, le spectateur choisirait une carte librement, peu importe. Alors on va prendre le roi. Le roi, c'est sympa, c'est une carte assez jolie je trouve. Et derrière, regardez bien ce qu'on va faire, on va un petit peu mélanger les cartes et on va enfermer les cartes avec l'élastique. Donc je prends l'élastique, je file autour du jeu juste comme ceci. Et pour pas le manipuler, à ce moment-là, maintenant, je perds la carte vraiment dans le milieu du jeu. Comme ça, on est sûr que là, je peux pas contrôler la carte. Elle est réellement perdue. Derrière, ce qu'on va faire, on va tout simplement couper le jeu comme ceci. L'élastique qui passe vraiment autour du jeu. Et pourtant, si je lâche le jeu sur la table, une carte, regardez bien, une carte se fait éjecter. Alors que le jeu est toujours encerclé par l'élastique. Ça, on peut le donner à l'examen, il y a rien à voir. Et pourtant, la seule carte qui est éjectée, c'est bien le roi de pique, la carte choisie du spectateur. Tout peut être laissé à l'examen, l'élastique, le jeu de cartes, il n'y a rien à voir. C'est vraiment facile et vraiment génial comme truc. Et voilà, j'espère au moins que cette démo vous aura plu et vous aura peut-être donné envie d'apprendre à réaliser ce tour. Si c'est le cas, vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaires. Vous verrez, c'est vraiment très simple à réaliser et pourtant très efficace sur vos spectateurs. Bref, moi j'adore réaliser ce tour, il est très simple et très efficace. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription, www.magistreaming.fr, la seule école de magie en ligne 100% gratuite. Vous retrouverez dessus les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tout accompagné de tours expliqués. Et pour ceux qui souhaiteraient me soutenir, vous avez également la section VOD en cliquant sur l'onglet Magistreaming, où vous retrouverez justement des vidéos, des DVD de tours plus élaborés, en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. Bref, vous avez les liens dans la description, je vous laisse aller checker tout ça. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.